Hi guys, this is just a day before our departure for Kasongo and Kabambare, and here we're just sitting down with some family members and picking up their brains on the area, the route, and also how the village is and the life in the village, just to get myself ready before the trip. Pour caractériser ville, hein, Basma Kwanza, il faut d'abord que ça soit. Soif. Oui, oui. Merci. Que ça soit chef. Il y a d'abord d'une province ou bien d'un district. Or, ici, nous n'avons pas. Ici, nous n'avons qu'un chef lié de la province. C'est pourquoi nous n'avons que ça. Jana ulisema hakuna mai pembeni ya masomero ba muto ba source tu ba pui mais pourquoi implantation ya masomero iko mbali ya fleuve parce que najua que fleuve Congo ina traversé province ya Maniema. Province ya Maniema elle est quand même baignée par assez suffisamment par le fleuve. Jua nini ancêtres la biso balien de planter village il est quoi colline loin du feu. Bon, ça va, c'est pas vrai. 1918. C'est pas vrai. Si tu connais le même, on a mis bam, oui, bam, mon allume. Donc, pendant que tu connais, lui, je connais le 24. Pour ça, ça. Ah, bon, ça, ça, Baba Babo, hein? Parce que non, que Baba 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 clan. Ça, ça. Ah bon. Bakawaka. D'une façon mystique. Bakawaka. Donc, Bibi. Ou famille. Moi. Ça, c'est où le calendrier, c'est moi. Ni quand ça, c'est que j'avais pas tenu sur la planète. Pourquoi, ou bien, ou faillite. Ça c'est une légende ou bien... Non, c'est une réalité. Ok. Ça c'est... Quand tu as vu, tu as vu, tu as vu, Je vais vous déplacer. Il est facile, 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 il est fac
mais on a papa Flaubert. Oui. Baclan 12. Bat Barakouf. C'est pas 12 personnes ou 12 familles. Baclan. Ah non, oui. Combien de personnes au total? Plus ou moins. Des centaines. Prénom 100 personnes par clan. C'est tout un village. 100. Tout un village. Si tout un village, les gens d'un même village meurent en même temps. Je ne pense quand même pas que ce soit de la magie ou de la sorcellerie. Peut-être qu'ils ont bu de l'eau empoisonnée ou quelque chose. Non, ce n'était pas l'eau empoisonnée. Bon, des fétiches existaient vraiment, ça travaillait à ce temps-là. Il vous a bien dit que Alitafuta Kadawa, Kwenda Kuweka Kukaburi ya bibi yake mwenye alikufaka. Na akasema kama wote mwenye alikuwa impliqué. Kukifo ya bibi yangu, il faut amufate bibi yangu. Aingie huko long. Donc c'est un assassin. C'est un assassin. Merci papa, merci. Oui. The next day. Hi again guys, this is just another tour of Kindu. This is going to be very brief because this is the day that we are actually taking off for Kasongo then Kabambari. So showing you guys, you know, that Kindu is very, very quiet place. That's the main market of Kindu there on the left and right. So I was really surprised to see that this city is very clean compared to Kinshasa. And there's not many cars in this city. There's a lot of motorbikes though. And I really liked it. And the temperature, guys, tell me about the temperature. It was almost 40 degrees every single day. Almost 40 degrees. I'll let you enjoy it. Pasina pasie Kakei kukasi lobi na kosonga Atandeleo Mopembo pezali ndeli wateo Kakei kukasi lobi na kosonga Oyanga bako yambanga Mopembo pezali ndeli wateo Akosonga mboka Kakei kukasi lobi na kosonga Aye bayama Mopembo pezali ndeli wateo Tandeleo, tokozonga Kinshasa. Pasio yo elekie ninyokolo. Boka ya mupaya pasi baninga. Atandeleo, Kinshasa. Et là c'est le fleuve, hein, le fleuve Congo Beach central de Kindu. Là nous sommes allés, nous sommes en voyage, nous quittons la ville de Kindu pour le territoire de Kabambare, précisément à Mazomeno. Nous traversons, de l'autre côté c'est la commune d'Alunguli. C'est là où nous allons prendre notre transport pour arriver à Kasongo, territoire de transit avant d'arriver à Kabambare. Et voilà. Nous allons en pirogue. Nous allons traverser en pirogue, pirogue motorisée. Ici, il n'y a pas de hors-bord. Ce sont des pirogues artisanales. Comme vous le voyez, comme vous le constatez là. Avec un petit moteur. Un petit moteur. Pourquoi j'appelle pirogue motorisée. Et en face, c'est toujours la ville de Kindu. En face, c'est toujours la ville de Kindu, parce que la ville de Kindu est constituée de trois communes. Il y a, de l'autre côté où nous sommes, il y a deux communes. La commune de Kasuku où nous sommes, et la commune de Mikelenge. Et en face, c'est la commune d'Alunguli. Okay. Et dans la commune d'Alunguli, il y a des routes. Il y a la route qui mène vers le sud. C'est là où se trouve le territoire de Kasongo et Kabambare. Et la route qui mène vers le nord, il y a le territoire de Bangui, qui est presque au centre de la ville de Kindu. Il y a le territoire de Kailo, il y a le territoire de Punya, et enfin le territoire de Lubutu. S'abonnez-vous.